Madame Berce-Puy. Oui, Monsieur le Président, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit par mes collègues Michel Duchesne, Patrick Beauvais ou Nicolas Florian. Je rejoins tout à fait leurs propos. Le taillant, une petite précision, hein, le taillant est effectivement cité pour deux raisons. La première, c'est que j'ai jamais caché, on en a souvent parlé, y compris avec les services, que depuis, enfin, et ça va être tout le sens de cette concertation, après, c'est les impacts que ça pouvait avoir sur le taillant. Aujourd'hui, clairement, il n'y en a pas, ça ne décale pas au moins les hypothèses de tracé dans le cadre de cette ouverture de concertation, n'ont pas d'impact particulier sur la commune du taillant. Et hormis un impact positif pour nos quartiers de la Boétie et de Germignan, qui sont une enclave de la commune du taillant, côté Saint-Médard-en-Jalles. Parce que sinon, hormis ça, au taillant, on dit bonjour de loin au tramway qui est à Cantinol, intersection des trois communes, mais qui reste quand même sur Résine. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et merci, Monsieur Guichot. Mais donc, je soutiens parfaitement la démarche de cette concertation avec Jacques Mangon.